Non? Non? Mais non! Mais qui... Il est trop nul! Il est trop nul! Raph... Ah ouais! Ah, alors! Rouen dans toute sa splendeur. Ouais, là on a. Mais il est quoi? Alors, pour les gens du. Rends le micro! Rends le micro! Prends plus! On a eu droit à deux vannes en même temps. On a eu droit à. Ah, mais c'est ça le meilleur de Rouen, merci. Et ensuite, on a eu droit à la vanne de Léon derrière qui dit: ouais, ça se voit que c'est un stagiaire. Donc, merci camarade, mais plus jamais le micro. Hein. Mais pourquoi t'es venu? Vas-y, tiens. Mais non, mais faut l'allumer la Switch! Allumez la Switch, hein! Allume la Switch, hein, elle est éteinte! Ouais. En vrai de vrai, non franchement, non, en vrai de vrai, ça se passe bien les tournois à Rouen, juré. Ouais, mais cool, bon, c'est l'ambiance rouennaise quoi. Ah non, ils sont cool là. Bah ouais, ils sont bien. Mais du coup, ouais, donc là on est dans une situation encore une fois. Non mais et franchement, moi je vous kiffe, hein. Tout à l'heure il n'y avait pas le son dans les gradins, vous avez tout donné, c'était génial, hein. Merci à vous quand même. Mais du coup, là on est dans une situation. Tu peux m'enlever le ONE à la fin, c'est min B en fait. C'est pas grave, vas-y. Mais du coup, ouais. On est dans une situation où on a Mescol, comme tu l'as dit, contre. Non, tu l'as pas dit en fait. Contre BMS Raflo. Et je dois t'avouer que si sur la scène Smash, à part Ruto, quelqu'un peut prendre la tête à Raflo, c'est bien Mescol. Dans son meilleur jeu, tu vois. Encore une fois, il a pris la tête de tout le monde sur cette scène et il est tellement capable de dinguerie. Et pour lui, ça a l'air tellement de couler de source. C'est vraiment. Là, j'ai envie de le voir à son sommet et j'ai envie de le voir bah, assassiner des gens. Voilà. Franchement, on peut, hein. Attends, j'ai envie de dire, attends. Ah. C'est quoi, je pense qu'on peut demander l'avis d'un expert. Léon, viens là, d'après toi, est-ce que, est-ce que Mesco a ses chances de prendre la tête à Raflo? Ah, ok, alors d'accord. Donc ouais, tu vois, il y a une petite cote quand même qui commence à se faire. Et ouais, on va voir un petit peu ce qu'ils sont capables de nous donner. Donc on est d'accord, du côté de Raflo, il y a toujours la Palutena, et du côté de Mesco, on a le Ridley, le seul et unique. Bon, il y a la taxe palu qui est sur la table, donc c'est-à-dire on va commencer à 60% tous les stocks en fait, hein, du côté de Mescol. Mais t'as toujours ce petit argument smash, je vais te dire, ce petit argument explosif hein, du côté de Mescol. Et voilà, s'il le trouve, il suffit que tu saches d'une seule interaction pour pouvoir renverser le cours de la game. Bah en fait t'as tout dit donc j'attends le match du coup. Ouais voilà, on va attendre. J'ai vraiment tout dit donc il y a un moment hein, tu sais quand on peut pas échanger par un micro main par un seul au billet. Ouais. Bah ouais, t'as tout dit, pas GG, franchement tu connais bien match-up. Oui voilà, bon, tous les joueurs aussi. Oui, oui. T'es chaud. Bien vu. Franchement, j'ai jamais vu ça. Oh ils ont pas tout dit, j'ai même pas vu la map. Là ils sont en train de partir si il me semble. Ouais bah okay. Ouais sur SBF, ouais, voilà exactement. En vrai de vrai, là tu vois c'est deux. Entre guillemets jeunes, parce que bon, vraiment on les connaît maintenant, hein, c'est bon, hein, c'est un moment qu'ils sont là. Mais ça fait toujours un peu plaisir toi, de les voir, surtout là ils sont en winner finale. Ils sont pas entourés de la journée, ils ont. Et vu comme c'était stack, c'était mérité. Et, en vrai de vrai, oui, c'était mérité, c'était très stack aujourd'hui. Hein. Tout le week-end il y a eu du beau jeu, mais surtout aujourd'hui, hein, malgré les quelques DQ du coup. Maintenant, bah écoute, la Palutena elle est prise, le replay il est pique, le match il est lancé. Let's go! 3-2-1, go comme il dit l'annoncé. Hein. Exactement. Exactement. Et on va du coup commencer, comme on l'a dit, sur SBF avec des bonnes idées qui sont pas sur la musique de Ligna de Pokémon pour ceux qui connaissent. Et on est parti du coup sur cette Winner Final, messieurs dames, un grand prix, s'il vous plaît, pour vos deux finalistes! Merci! 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 On commence déjà, comme je le disais, avec les 67% qui ont été trouvés hein, du côté de Raflo qui mettent déjà les pendules bah, là où on les attendait hein, sur ce match-up. Ça va être compliqué hein, pour Mescol de trouver un petit peu les approches. Parce qu'on a quand même des outils invulnérables hein, du côté de Palutena avec ce bouclier sur les dash attaques et les backers qui vont un peu emmerder hein, les approches que peut nous proposer à Mescol en fait. Pardon. Ok, ouais, effectivement, surtout que bah, là, Mescol qui fait un. C'est un début assez compliqué hein.
un début assez compliqué, ouais, tout à fait. On y a cru, hein, au grand honneur là. Et la bastion, ça va finir. Ouais, ça. Non, c'est l'horrible, hein. C'est l'horrible, par contre. Et bon, oui, on va pouvoir revenir. On a plein de sauts. Ouais, enfin. Ah ouais, bah voilà, ça a enfin marché. Il prend le trade et ça prendra la stock pour un flow qui se met déjà sur un bon début. Et en plus, voilà, le nerf, le fer, la 40%. Il a pas de temps à perdre, il semble. Non, comme tu dis. Pas de temps niaisé hein, du côté du joueur de BMS, il a déjà mis sa taxe, 47%, 60% maintenant, il prend ses distances, il n'a pas envie de donner l'occasion à l'escode de renverser le cours de la game, et il continue à être très carré sur son exact, regarde là, hop, parfait, carré, back air, merci, bonne journée, au revoir, 127% depuis tout à l'heure, il a presque pas été touché, hein, le match a été trouvé et on repart à 0 mais avec une stop de retard hein, du côté de Metzko. On va voir un peu ce qu'il est capable de nous faire. On va éviter les petites last zones que va nous proposer Palu et on va essayer d'attraper avec une approche comme celle-ci, pas mal du tout déjà pour commencer. On va essayer, mais c'est vrai que là c'est un peu dur parce que voilà, regarde, vraiment, il continue encore un flow à infliger sa taxe comme tu l'appelles. La taxe qui est déjà 40-30, déjà en ledge trap, le backer qui est trouvé. Là vraiment c'est un jeu très clean que nous proposera Flo. Et il continue sur sa lancée, il s'arrête pas, même s'il y a un don qui s'est perdu, on sait pas trop où. C'est pas grave, il prendra quasiment aucune mission pour ça. Voilà, oh, on n'aurait pas réussi à punir cette TP, c'est pas grave. Mais je te jure que Raflo, j'ai vraiment l'impression qu'il dit totalement la game de A à Z. Cependant, ce petit stopper à la KFF très très fort. Oh et les tirs très loin, heureusement. On a bien dit à côté Raflo, parce que sinon ça aurait pu être la fin. Ah, attention, non, c'est bon, on va se le prendre. Mais là, franchement, la Metzkoll qui est déjà un petit peu dos au mur pour cette première game. Effectivement, après, comme tu l'as dit, c'est la première game. On commence à prendre de l'information sur celle-ci. On commence à voir la connaissance des deux côtés. Ah, le counter qui est trouvé. La classico. Tu ne peux pas te permettre de faire une recovery aussi basse contre quelqu'un avec un counter magnifiquement trouvé, hein, ici, de la part de Raflo. Il prend cette première game de manière assez autoritaire. Il est encore sur sa deuxième stock. C'était très violent de la part des deux côtés, mais les conversions étaient beaucoup plus carrées du côté de Paytona. Il y en a eu, de manière générale, beaucoup plus, hein. On va voir un petit peu si on va avoir un changement sur les stages. Il y a une discussion entre les deux joueurs, mais je suis quand même intéressé de voir comment on va s'adapter ce genre de Ridley, parce que bah, encore une fois sur un BO5, il y a beaucoup de parts d'adaptation. Beaucoup, surtout que bah, Metzko, on le connaît, il est très surprenant comme joueur. Il est volatile, j'ai envie de te dire, on sait jamais trop ce qu'il peut nous sortir. On va partir sur Battlefield cette fois-ci, on va rajouter une plateforme. Du coup, bon, on connaît un Raflo sur les triplats. Le tennis sur les triplats, ça fait mal. Ouais, ça fait mal et surtout ça bouge beaucoup et notamment Raflo, on l'a déjà eu plusieurs fois, il est très très friand de ce instant cancel sur ses up B, sur ses téléports. Et on a déjà vu plusieurs fois le punir sur ses approches, c'est-à-dire attendre justement à ce qu'il arrive sur les plateformes et les punir avec, j'imagine par exemple, c'est un up smash. Donc voilà, l'idée c'est que les plateformes c'est bien, mais ça peut être une tentation pour justement Raflo de continuer à faire des instant cancel partout, de sauter partout avec son téléport. On va voir si c'est un plan hein, du côté de Metzko, c'est un moyen comme un autre. On va voir, effectivement, on va voir. Est-ce que. Bon. C'est bon, tu le vois là. Tu le vois ou pas? Mais c'est vraiment en 5 secondes, il les trouve tout le temps à chaque stop, c'est terrible. Je sais pas comment il fait, mais il est trop fort et en plus, voilà, il continue. Attends. Mais ça remonte plus. C'est bon, c'est un bon choix. J'aurais fait la même. En vrai, il avait raison. Hein, mais, ouais, oui, il avait la même. Non, mais il avait raison, mais j'avoue que j'ai été surpris. J'ai dû processer dans ma tête 5 secondes et puis de moi, petit blanc ça. Voilà. Non, effectivement, il avait raison, tu vois, il était en retard. Bon, après, encore une fois, voilà, il faut évidemment de profiter de ce que les pendules ont été mises à l'heure pour ben, reprendre l'avantage un petit peu. Mais oui, dans cet échange-là, il avait raison, ça remet vraiment tout le monde à zéro. Il avait pas grand-chose à perdre. Ça aurait été évidemment mieux s'il survivait avec un petit marchepied ou quelque chose comme ça. Mais bon, écoute, ça va pour l'instant, les pourcentages remontent et on est littéralement dans la situation tout à l'heure là. On l'aime, mais un peu pire hein, parce que les pourcentages sont encore plus élevés. Et Raflo qui bah, encore mène, hein, mène le stage control, il a le ledge trap, c'est bien. Ça va faire des sauts pendant par un petit coup de cœur en l'air, voilà, rapidos. Mais bon, ce n'est que éphémère. Hein, là, vraiment, on sent que Raflo il a un petit peu de mal. Raflo qui lui met une pression constante, il punit tout. Là, on a tenté de chance, mais ce n'est pas passé. Dans le titre, il n'y a pas de trouver, c'est pas grave. Franchement là, à part sur quelques smash hein, donc il y a le secret, là ça me semble être un petit peu compliqué vu comment il est devant, alors regarde-moi ça. Ouais. Effectivement, et comme tu l'as dit, là, les 67% que Metzko a réussi à trouver sur Raflo, c'est juste un petit moment où il y a un petit manque d'attention hein, de la part du joueur de BMS, il a commencé à pas trop respecter les distances, mais juste après, il a été tellement clean, il est dans un endroit où il donne juste envie à Metzko d'approcher, ou alors tellement loin que Metzko ne peut rien faire, et tu vois déjà que là, bah, il a une stock qui est un petit peu avancée quand même à 111%, mais 111% ça meurt sur un backer, voilà, on en parlait tout à l'heure, il ne te laisse pas respirer au ledge, avec ce mur du coup invulnérable, et il prend déjà la stock, on va voir maintenant s'il est capable voilà, de mettre la stock avec l'attaque Palutena, ça passe, 34%, le
19 et Sovian qui passent malheureusement. On va voir si la suite arrive à être trouvée. On finit ce double side B, hein, c'est la deuxième fois qu'il le sort. Et on va voir derrière qu'est-ce qu'il est capable de faire du côté de Meskol. Encore une fois, ça commence à être un peu tendu. Il commence à se prendre un peu de mou. Et là, encore une fois, je crois qu'il n'a plus de flow, il est obligé de partir sur ça. Malheureusement, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et on a un Critus qui est en train de mourir de rire à côté de moi. Il ne croit pas réellement ce qui est en train de se passer. Et là, encore une fois, les side B qui sont finis, encore finis, encore finis. Du côté de Rafo, ça commence à sentir très très mauvais. Perso, t'es mort? Non mais attends, les bâtards dans les UP, bon, il est fort le UP de Ridley, hein. Ça veut rien dire. Oh, ah, oh ça c'était trop bien par contre, j'ai trop aimé. C'était trop... Non, c'était trop bien. Arrête de rigoler, c'était trop bien. Non, non, là, la pression sur le shield, il a fait détendre jusqu'au bout tous les multis, c'est le petit sur la plateforme pour faire... Ah, ça fait. Qui allait tuer. Franchement, bon play de Raflo, 2-0. Bah là, il se met bien, le petit prince. Ouais, effectivement, il se met plus que bien. Hein. Là, encore une fois, c'était sur un counter pick du stage hein, du côté de Meskol. Ça n'a pas amené grand chose. Meskol va renouveau choisir un stage. On va voir si quoi il part. Mais ouais, ça commence à sentir très bon pour le genre de BMS. D'autant qu'il s'est vraiment adapté à tout ce que lui proposait Meskol. Comme je l'ai dit, il y a eu un petit moment où il est commencé à être un peu trop agressif. Là, oui, il s'est pris les 70%. Mais c'est vraiment les presque seules interactions qu'il a perdu de toute la game. C'est-à-dire quelques petits escarmouches par-ci par-là. Mais ouais, il a vraiment très très bien joué. Et s'il continue à garder. Oh, pardon. Ok, bah écoute, ma foi, pourquoi pas. Non. Évidemment, on va avoir un counter pick, messieurs dames, de la part de Meskol. J'ai nommé le deuxième pirate de l'espace Kirby. Et on part sur destination finale. J'aime trop ton Kirby, regarde. J'aime trop. Regarde-le. Regarde-le, il fait des dunks, il est tout petit, il est tout fou. Regarde-le. Par contre, bon, on change un peu de gabarit, tu vois, on est plutôt rond, plutôt, voilà, agréable à l'œil quand on parlait. Par contre, bon, Raflo, lui, la taxe, c'est toutes les games, toutes les stocks, hein, malheureusement. Donc, bon, bah, ça commence déjà, et surtout que là, comparé à Ridley, on est plus léger. Ouais, merci. Voilà. Et le temps de ta tirade, effectivement, on s'est retrouvé déjà avec une vie en moins, hein, du côté de Meskol. Je pense que là, il y a eu peut-être, pas forcément, un pic du cœur, mais peut-être juste un pic de résignation. Parce qu'il va falloir remonter vraiment une très grosse pente maintenant, et avec un personnage qui n'est pas forcément super connu sur la scène, qui n'est pas forcément même maîtrisé au niveau de son Ridley, on va pas se mentir. Et tandis que du côté de Fallu, on déballe, on a son game plan. Donc là, il n'y a pas eu tant de modifications que ça par rapport à ce qu'on avait en face jusqu'à maintenant. Il s'adapte, il continue à mettre ses phases d'invulnérabilité, s'attaque Feuilletena comme on l'a vu tout à l'heure, et voilà, les cartes se creusent. Très fort, hein, il continue. Oh là 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 là, il le chope de partout. Oh aïe, là aïe, là aïe, aïe, ça continue. J'ai trop peur. Ouais, voilà. Il va aller faire une grande CP in et tout, mais bon, ça sert à rien. Donc vraiment là, il le lâche pas. Et le forward air, le troisième qui aura permis de prendre cette deuxième stock. Genre, je donne pas cher de la peau de Meskol, mais on sait jamais, hein, on sait qu'il peut, mais je dois t'avouer que là, petit à petit, je commence à comprendre qu'Ormier a terminé dans le monde oublié, je quitte pas à la fin du mois, merci. Mais du coup, ouais, on est dans une situation où ça va être très compliqué pour lui. Là, il a perdu des petits déplacements hein, dans les airs avec ce personnage-là, il est beaucoup moins rapide, et du coup, mais c'est beaucoup plus simple aussi pour de réussir à trouver où est-ce qu'il va aller et à le punir, parce que depuis tout à l'heure, toutes les phases qu'il a perdues, c'est justement dans ces phases d'Edgeguard. Oh, merci. Oh, yeah, let's go, Tauritico, let's go! Pour information, on va dire aussi que les sides des neutral billes de Kirby sont plus forts que les neutral billes originaux, il faut le savoir. Ah ouais? Ouais, c'est plus de dégâts, merci. Mais du coup, ouais, on est en situation là, et puis bon, 32%, la perruque qui a pas lu, je sais pas si ça a changé grand chose. Autoricale qui ne touche pas, ouais, c'est la version un peu wish, hein, là on va pas se mentir. 72% maintenant, est-ce que la prochaine interaction va être décisive? Oui, je le pense, d'autant que Raflo, encore une fois, a été très carré sur son exé. Voilà, il commence un petit peu à se mettre un peu du enfin, il a la marche, quoi. Il commence à être un peu pris. Mais ouais, voilà, vraiment très très bien joué, la part de BMS ici, Meskol qui se fait car barbecue. Très bien joué de la part de Raflo ici, qui prend le set de manière impérable. Il vient le gagner, cette Winner Finals 3-0. Bravo à lui.